Un dimanche laborieux, encore du vent, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop dans le micro. Donc là, activité de cette semaine, ça a été tenter de refaire mon talus. Donc j'ai commencé au tracteur, avec le côté du tracteur, de manière à râper l'herbeux, tout mettre le long de la haie. Depuis le bout là-bas, donc mine de rien, il y a 150 mètres. Et après, j'ai ressorti la mini-pelle de manière à faire un petit talus. Et surtout, un talus derrière lequel je peux passer. Parce que là, je replanterai une haie après derrière le talus. Mais comme il y a 150 mètres, je ne vais pas faire les 150 mètres cette année. Ça sera l'hiver prochain. Mais je voudrais quand même préparer la zone au moins jusqu'à ma borne. C'est-à-dire jusqu'à pas ce piquet là, l'autre d'après. Pourquoi ? Parce qu'après j'ai du grillage, etc. Donc ça demandera plus de temps pour défaire. Donc là, je vais me montrer un peu. Je vais profiter que ma fille est là pour me filmer un peu sur la mini-pelle et on se reprend après. Thank you.
Bon, ben, on est toujours dimanche 21, je crois, avril. Donc 17h30. Donc là, j'arrête avec la mini-pelle parce que d'un moment ça me gave. Et je vais aller tondre. Donc, je ne sais pas ce que les séquences filmées par ma fille vont donner. Mais vous avez vu que j'ai sorti pas mal de branches. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lisière, là, elle fait 150 mètres de long. Et comme j'ai fait mon talus vraiment sur la limite, donc à l'intérieur, mais à l'intérieur de la limite, hein, qui est matérialisé par les piquets, quand le champ sera cultivé, je ne pourrai pas y retourner. Donc c'est pour ça qu'il y a des zones, et là, c'en est une qui est belle, là, à peu près tous les 30 mètres, ouais, je fais j'élargis une zone plus large pour de manière à faire une zone de retournement. Au passage, vous avez vu l'utilisation du croc là, qui est en position haute avec la goupille, qui est bien sympa pour prendre des branches, hein, même si y en a certaines. Ben là, j'en ai une. Avec une mini pelle d'une tonne 5, ça commence à faire limite. Donc pour pas qu'elle bascule, ce que je fais, c'est que j'utilise la pelle devant, malgré la masse de 90 kg que j'ai derrière. Donc là, ce talus, ça a été donc dimanche, le fermier, lui, est venu au tracto, au godet, pour sortir les gros arbres et qu'on définisse la limite ensemble. Après, ça a été 3 jours, grosso modo, au tracteur, avec le godet du tracteur, avec mon afto, hein, de manière à décaloter l'herbeux là qui reste. J'ai même un peu trop décaloté, hein, de manière à faire ces tas. C'est pour ça que les tas sont larges, parce qu'ils ont été faits au tracteur. Et après, je reprends la mini-pelle de manière à refaire un pseudo-talus, même si c'est majoritairement de l'herbe, hein, ça va se tasser. Mais au moins, ça me démarque la limite agricole, et je trouve que c'est le plus simple. Donc le problème, c'est quand le champ sera cultivé, je pourrais pas passer côté champ pour continuer. Donc pour ce faire, je fais une largeur de, ouais, c'est une largeur de pelle, donc je suis à 1 mètre, 1 mètre 50, un passage derrière le talus. Donc ça me permettra de broyer les ronces là, de garder propre, parce qu'il va falloir que je paille, parce que là la terre est bonne et je vais pas la laisser à nu comme ça. Parce qu'il va falloir que je plante une haie après. Le problème, c'est que là, la haie fait 150 mètres de long. Donc, je ne vais pas tout faire cette année. Je ferai ça l'hiver prochain. Donc, en attendant, ben, les ronces que je broierai, ben, je mettrai le paillage au sol de manière à protéger la terre. La portion de haie que je vais faire, c'est celle-là. Donc entre, ouais, grosso modo, cet arbre-là et l'arbre, le gros chêne qui est sur le talus au bout. Donc là, vous aurez une autre zone de retournement encore ici. Mais là, j'ai pas fini. Pourquoi j'ai pas fini? Pour la simple et bonne raison que tous les arbres qui m'a arraché, il me les a mis là. Et là, avec les branches, j'arrive pas à passer le long, donc j'ai pas pu préparer là où je veux planter ma première haie. Pareil, j'ai pas fini au bout. Pourquoi j'ai pas fini? Ben, ma priorité là, c'est tant que le champ n'est pas travaillé, je peux travailler depuis l'extérieur. Après, travailler que de l'intérieur, c'est plus compliqué. Donc je gagne du temps comme ça. Donc là, on laissera un petit passage au bout au cas où. Mais autrement, tout ça, parce que là, vous donnez directement sur le terrain, ici. Il n'y a pas de ronces, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que je veux mettre une bonne haie ici, de manière à me couper. Donc voilà, voilà, les occupations de la semaine. Hein, week-end inclus. Donc pas mal de tonte aussi. Parce que là, il faut que je dégage toute cette zone-là. Pourquoi ? Ben, pour pouvoir poser les branches. Hein.
J'ai commencé à ramener les différents plans que j'avais déjà. Hein, donc il y aura du boulot, il m'en reste 6. Mais là on voit, j'ai des chênes. Ça c'est de l'acacia, il est grand temps de tomber. Je vais essayer de mettre du hou aussi. Peut-être du genêt, parce que ça masque bien. Et là j'ai pas mal de reprises. Hein. Donc là c'est de l'ajonc, mais j'ai aussi des repousses de genêt. Donc ça je ne l'ai pas coupé parce que je vais le broyer de manière à faire un terreau, un équivalent de terre de bruyère pour les. Tiens, voilà, un genêt, vous en avez un là. Même fleur, même vigueur. Avantage, c'est qu'il n'a pas les épines, il court un peu moins. Donc je disais les ajoncs, là je les ai gardés parce que je voudrais les broyer comme les branches que j'ai sorties, de manière à faire une pseudo terre de bruyère pour mes pieds de myrtille. Et il y a autre chose que je vais faire, parce que comme on récupère, c'est que de la récupération, ces premiers 50 mètres de haie. Là, ça doit être de l'aubépine ou quelque chose qui est sorti ici, là, qui trace. Donc je vais enlever quelques pieds et voir si j'arrive à les faire reprendre. Donc voilà. Bon, en espérant que la vidéo n'a pas été trop longue, mais je me suis dit merci à ma fille pour m'avoir filmé un peu. Et ça a permis de voir ce que faisait le travail. Donc là, j'arrête pas. Maintenant, je vais tondre. De manière à marcher un peu, parce que trop de manipelles, comme ça tape dans le dos et tout, c'est pas top. Donc je vais voir ça. Donc je vous dis, certainement la semaine prochaine, sachant que la charpente n'attaquera pas la semaine prochaine. Le charpentier a un contretemps, contrairement à ce que j'avais indiqué dans ma dernière vidéo. Donc désormais, ça sera dans une semaine. Allez, à plus, Kenavo.